S'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas un choc, si on ne réagit pas à la sensibilité, on ne doit pas prendre de photos. Henri Cartier-Bresson. Mon projet de TFE est un travail qui n'a cessé d'évoluer depuis ma première présentation devant ce jury. Pour communiquer toutes les informations que j'ai pu récolter lors de mes expériences photographiques, je vous propose ce documentaire de quelques minutes et une visite virtuelle présentant une quarantaine de photos. L'objectif est de vous présenter les compétences mais aussi les connaissances acquises lors de ce travail au travers de trois chapitres. Chapitre 1, découverte. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur mes premières photos. Elles correspondent à mes débuts, mes premiers essais erreurs, parce qu'on apprend aussi de ces erreurs. J'étais à cet instant en totale découverte de l'appareil et de la technique. À cette époque, je me souviens vouloir naïvement tout prendre en photo, pensant qu'un paysage spectaculaire rendrait les photos réussies. C'est après que j'ai commencé à faire la différence entre un beau décor et une bonne photographie. À ce moment, ma plus grande source d'inspiration était le voyage, qui est une bonne motivation certes, mais ne peut être la seule. Cela limitait effectivement les opportunités de faire des images. Les seules photos que je faisais, c'était en voyage. J'étais en apprentissage et ce n'est que plus tard, en me repassant les images, que je me suis rendu compte que mes motivations devaient s'élargir pour me permettre de m'engager dans la photographie de manière bien plus approfondie. Je me devais de briser cette routine photographique pour m'exposer à de nouvelles perspectives en apprenant par de nouvelles expériences. Chapitre 2, révolte. Quand j'ai programmé mon déplacement à Paris et à Hong Kong ensuite, ma démarche était la même. J'ai pris conscience que je vivais depuis toujours dans un environnement calme et privilégié, alors que ce que l'actualité nous montre, c'est que le monde est tout sauf calme et privilégié. Pour donner un sens aux images, j'étais convaincu de devoir prendre des risques. Le témoignage est forcément une préoccupation pour moi, mais à 23 ans, je ne peux pas dire vouloir changer le monde, ou du moins en avoir les moyens. Un photographe, selon moi, ne doit pas rester dans une zone de confort, on doit toujours se confronter à quelque chose de nouveau. C'est d'ailleurs comme ça que le regard évolue. Je me suis délibérément placé dans une situation inhabituelle pour pouvoir changer mon regard et me faire avancer dans mes recherches visuelles. Chercher la poésie dans une scène de chaos en mettant de l'actualité m'intéresse sans pour autant faire du photoreportage. Ces expériences m'ont humainement beaucoup apporté en tant que photographe. Même si je me suis intéressé plusieurs fois à l'actualité à travers mes photographies, ma démarche quant à elle n'a jamais été photojournalistique. Je me suis en effet essayé à la photographie de presse durant mon stage chez Belga, aux côtés notamment d'Éric Lallemand. J'ai trouvé cette pratique beaucoup trop instantanée. Je me sentais trop détaché de certaines photos que je pouvais faire. Je préfère construire une démarche plus lente, comme par exemple Luc Delay, qui pendant plusieurs années était photojournaliste et qui en 2003 a décidé d'utiliser des événements d'actualité sans pour autant les inscrire dans la masse des médias d'actualité. Comme cette photo de Luc Delay, Bagdad 4, 13 avril 2003. C'est une photo prise dans le centre de Bagdad, 4 jours après la prise de la ville par les forces américaines. On y voit une grande route, désertée par les voitures, les seules qu'on peut voir sont en stationnement au beau milieu de celle-ci. Les voitures ont été remplacées par des individus qui y circulent. On voit aussi de la fumée qui s'émane d'un bâtiment. En effectuant des recherches, on apprend qu'il s'agit d'un bombardement qui venait de se dérouler. Malgré son passé de photoreporter, qu'il a d'ailleurs arrêté en 2003, cette photo, prise par Luc Delahaye, n'a pas été faite pour couvrir l'actualité de cet événement. C'est une image qui fait penser à un panoramique, mais qui est plus un format 4/5, prise par un moyen ou grand format. Le cadrage est centré sur un lampadaire qui coupe l'image en deux parties. On voit sur le côté gauche de l'image qu'il y a quelques personnes qui osent encore marcher sur la route malgré la situation chaotique. Le côté gauche est par ailleurs beaucoup plus clair, tandis que sur la partie droite, on sent un côté bien plus sombre, obscurci par la fumée qui s'échappe d'un bâtiment qui vient juste d'être bombardé. Les ombres sont beaucoup plus marquées et les seules parties claires de ce côté de la photo se trouvent vers le bout de la rue et le ciel, qui réussit à connecter les deux parties de la photo entre elles. L'image a été d'ailleurs prise légèrement plus haut qu'à hauteur d'homme. On peut supposer que le photographe s'est posé sur une petite hauteur, par exemple peut-être sur le toit d'une voiture. Le photographe a réussi à équilibrer la photo grâce à son angle de vue frontal qui parvient à mettre au même niveau les hommes et les immeubles sans que l'un soit dominé par l'autre. On a donc une composition très centralisante avec le lampadaire mis au milieu. Grâce au format très large de l'image, cela permet trois lectures différentes à cette photo. La partie gauche du lampadaire, c'est la droite du lampadaire et bien sûr, la globalité de la scène prise en photo. On a d'ailleurs aussi une très longue profondeur de champ. Peu d'éléments ici se trouvent dans un espace flou. Il y a une intention de garder l'intégralité de la scène d'une grande netteté pour permettre la lecture intégrale de tous ces différents plans. Luc Delahaye s'inscrit d'ailleurs dans le courant de la poétique documentaire. L'apparition de ce courant trouve son origine dans la masse des documents exigés quotidiennement par ce qu'on peut appeler l'industrie de l'information. La télévision ayant plus d'audience, les photoreporters étaient obligés de produire plus d'images, ce qui a conduit le milieu de la photographie journalistique vers une crise identitaire. Certains photographes, pour lutter contre cette crise, ont décidé de restaurer le principe de collectif, qui est en fait un groupe de photographes qui décident de continuer de travailler l'actualité, mais cette fois-ci à travers une structure plus souple, leur laissant plus de liberté artistique.
Une manière de concurrencer les grandes agences avec une démarche totalement différente. Fabriquer des images culturelles qui ont pour but de s'adresser au côté psychologique du spectateur, à l'inverse des grandes agences qui fonctionnent au scoop, à l'instantané. Ces images touchent le spectateur par l'émotion qu'elles dégagent, un peu aussi comme les photos de Salgado. Selon Luc Delahaye, cette possibilité de parvenir à une forme poétique est ce qu'il recherche. Il dit « Si l'image est assez forte, si elle nous résiste, si par sa cohérence obscure elle échappe en partie à notre entendement, alors c'est que quelque chose a été gagné sur la réalité. » Malgré tout, quand j'éclenche l'appareil photo, je sens quand ma photo sera réussie ou non. Elle s'impose d'elle-même. Il m'est difficile de traduire avec des mots concrets pourquoi elle s'impose, cependant, selon moi, elle doit impérativement associer poésie et cadrage rigoureux. La poésie de mon image amènera des émotions qui peuvent être en mesure d'effleurer l'imaginaire des spectateurs. De là, le cadrage, lui, sélectionnera l'essentiel de ce qui est à montrer, de préférence de manière frontale, à la manière documentaire. C'est une façon de pouvoir se faire confronter réalité et fiction, créer une image qui pense et qui fait penser. Par ailleurs, certaines de mes photographies peuvent faire penser à une théâtralisation de la réalité. Celle-ci peut être néanmoins spectaculaire par elle-même. À l'inverse du cinéma ou du théâtre, rien n'est mis en scène, rien n'est ajouté aux images. Les personnages des images prises à Hong Kong ou à Paris sont en général pris en pleine action. Les scènes se déroulent dans la réalité de l'action et dans l'actualité de l'événement. Les personnages, acteurs malgré eux, réagissent de manière spontanée, inconsciente. On ne peut donc pas parler de mise en scène, même si une certaine théâtralisation des actions pourrait le laisser penser. Comme dirait Salgado, parler d'esthétiser la misère est une analyse facile. Il dit « Comment dire que ces travailleurs dans les mines du Brésil sont laids? Ils sont beaux et dignes. Il n'y a donc aucune raison de les rendre misérables, de dénigrer davantage leur existence. C'est tout le contraire du but de la photographie. » Salgado photographie exclusivement en noir et blanc. Il est né au Brésil, pays baigné de soleil et de lumière. Dans toutes ces gammes de gris qu'on a dans un noir et blanc, on a beaucoup plus de couleurs. Cela a donc été une inspiration pour moi, comme le démontre cette photo, prise à Hong Kong. Men Down, Hong Kong 2019. Cette photo a été prise lors d'une manifestation pro-démocratique à Hong Kong. On y voit un jeune homme couché sur le sol, entouré de 5 personnes qui veulent s'occuper de lui et l'aider à se relever. L'homme s'est retrouvé par terre après un mouvement de foule dû à une confrontation avec la police. Cette photo a été prise au 75 mm, une manière de pouvoir renfermer l'image et de se sentir oppressé, parfois même étouffé. La vue en plongée donne un aspect victimisant pour la personne couchée au sol. Cette vue est appuyée par ses 5 regards dirigés vers lui qui sont eux aussi pris en plongée. L'image a un très fort contraste. Le fait qu'il y ait beaucoup de noir appuie mon intention que le spectateur sente l'oppression, l'étouffement éprouvé par cette personne. Il y a néanmoins une porte de sortie, une solution. C'est le regard de cet homme en chemise blanche couché par terre qui capte toute la lumière de la scène et qui permet ce point de fuite à l'œil du spectateur. Le regard du jeune homme est dirigé vers la gauche de la photo. Il crée la seule ligne de fuite possible, ce qui crée un gros sentiment d'espoir selon moi. Ce message d'espoir est bien sûr aussi appuyé par le fait que l'homme est défendu par ces 5 personnes autour de lui, qui le regardent et donc créent un lien avec lui. Ce lien formel est appuyé par cette main qui tient le bras de l'homme à terre. Cette main, posée, est un geste de soutien et de secours. A l'inverse, l'absence d'esthétisation dans une image réduit l'utilité de la présence du photographe. On en revient toujours à l'œil du photographe en regardant quelles étaient ses motivations. Il est donc selon moi important de lui laisser une certaine liberté artistique. Mes photos ont une part narrative assumée, et peut-être que ceci est un manque de maturité qui donne un côté naïf à mes photographies. Je reconnais ce manque d'assurance, cette vulnérabilité. J'imagine que le temps et l'expérience me feront avancer sur un propos plus abouti, plus cohérent. En même temps, cette forme narrative apporte aux images de la distance, de la hauteur face aux événements que j'ai pu photographier. L'imaginaire est très important et c'est ce que je veux communiquer quand j'essaye de retransmettre des émotions. Les émotions sont construites à travers un récit que l'imaginaire du spectateur peut se créer lui-même. Sans cette naïveté, il me semble qu'on s'enferme dans une sorte de littéralité qui ne m'intéresse pas. On ferme les frontières du réel sans lui donner la possibilité d'être autre part, dans une autre dimension marginale mais très proche de soi. Autrement dit, il faut partir d'une vision réaliste, mais que la réalité devienne support pour l'imaginaire, comme dirait Cyril Weiner, et comme on pourrait le ressentir sur cette image d'Harry Gruert. Morocco, Warzazat 1986. Cette photo est tirée de son livre Maroc, un livre photo qui rassemble un travail sur 40 ans qu'il a commencé en 1960 lors de son premier voyage là-bas. Ce travail est le fruit d'un travail personnel, non pas d'une commande quelconque. Il est donc totalement autofinancé. Ici, la photo peut être découpée mais de manière plus complexe. Nous avons plusieurs moyens d'isoler les deux acteurs de cette photo. D'une première façon avec ce poteau qui permet de séparer l'image en deux. Mais celle que je trouve plus intéressante est le prolongement des lignes directionnelles que forment les routes et qui sont en plus appuyées par la direction dans laquelle vont nos deux acteurs.
Ces deux lignes nous permettent de créer un croisement dans la photo. Ces lignes directionnelles sont des lignes de fuite qui permettent à l'œil de sortir de l'image, bien que notre regard soit enfermé dans l'image à cause des murs. Même si cette composition complexe donne une force à cette image, selon moi, son plus gros atout reste dans sa gestion des ombres et des lumières. L'ombre bouche le bas de la photo, tout en lui laissant du détail, ce qui permet à l'œil d'être directement attiré par les cassures d'ombre créées par les contrastes de lumière. Elle nous oriente vers les deux acteurs de cette photo qui sortent de ces zones plus sombres pour être mis en valeur par la lumière du soleil. Cette lumière qui, d'ailleurs, met en valeur le fond de l'image, avec ce bâtiment de couleur argile rouge, permet ainsi de percevoir une très longue profondeur de champ et de donner une netteté impeccable à cette image. Le ciel bleu apporte la luminosité et équilibre les hautes lumières et les ombres. Chapitre 3. Évolution de la vision. La couleur, c'est un moyen de sculpter ce que je vois. C'est même l'émotion que je photographie. Harry Gruyaert. Vu mon âge, je ne pense sincèrement pas avoir été touché par le monopole des images réalisées par les grandes agences de photojournalisme. Malgré tout, à l'ère Instagram où l'image est omniprésente et où tout le monde photographie, le photographe a nettement plus de pression pour présenter des photos qui plaisent et qui répondent à des codes en vogue, ce qui par ailleurs répond bien plus au code de la publicité qu'au code artistique selon moi. Pour se démarquer, il doit donc davantage innover, être en recherche de créativité et de sens. Exaspéré par ce mouvement, il m'a paru nécessaire de faire un pas en arrière temporellement parlant, mais un pas en avant pour ma vision photographique. J'ai par conséquent décidé de ne plus faire de photos à l'appareil digital et de passer à l'argentique. En effet, l'appareil digital donne beaucoup d'avantages en tant que photographe. Il permet de prendre plus d'images en les visualisant dès la fin du déclenchement de l'appareil. Mais pour ma part, la plupart du temps, cet avantage devenait vite néfaste. Je finissais des journées avec plus de 900 photos sur ma carte SD, dont parfois la majorité était bonne achetée. Le fait d'avoir cet avantage de capacité de stockage me rendait mauvais dans ma prise de vue. Le fait de savoir que je pouvais recommencer 100 fois la même photo m'enlevait la rigueur nécessaire à une prise de vue de qualité. Avec seulement 10 photos sur mon moyen format, l'argentique m'oblige à ralentir, à respirer, à sentir la photo que je suis en train de prendre, de voir le monde passer autour de moi pendant que j'attends cet instant. Et c'est là que la complicité se crée entre la photo et moi. L'idée de passer à l'argentique m'est venue au début du confinement, l'année dernière. Alors qu'il m'était impossible de voyager, je devais trouver de l'inspiration dans mon quotidien que je pensais connaître par cœur. L'argentique m'a donc aidé à développer un regard critique sur les photos que je voulais faire et sur l'intention qui se cachait derrière ma production d'images. J'en viens donc à parler de la frontière mince entre le document et la fiction. Selon Luc Delahaye, le document tend vers l'imaginaire et la fiction tend vers le réel, ce qui souvent place le spectateur dans une situation d'indécision, ne sachant pas retranscrire le sens que la photo peut avoir. Finalement, cette frontière fait émerger un espace narratif et crée naturellement une complicité avec le spectateur. J'essaye personnellement de tendre de plus en plus vers la sensibilité plutôt que le conceptuel, à travers des prises de vue dans une dimension réelle, mais avec un travail des couleurs de type irréel qui aide le spectateur à rentrer dans un espace narratif personnel pour en arriver à une complicité entre lui et la photo, comme le fait par exemple Joe Greer avec cette photo. Miami Beach, USA 2021. Cette photo, Miami Beach, a été prise avec un Yashica Mattel M, un appareil moins informant en 4x4 qui explique son format carré. Il ne s'agit donc pas d'un redimensionnement de la photo. Joe Greer, un photographe américain né au Michigan, ayant vécu à New York et récemment déménagé à Nashville, se déclare lui-même comme étant un life photographer, un photographe de la vie. Il veut être capable dans n'importe quelle situation de pouvoir prendre une photo qui correspond à sa vision du monde. C'est un photographe qui fait beaucoup de noir et blanc, notamment dans ses réalisations en street photographie, mais qui dit préférer la couleur, et c'est d'ailleurs pour sa gestion des couleurs très intéressante que j'ai décidé d'analyser cette image. Cette photo en format carré permet de se concentrer sur la totalité de l'image. Ce qui nous guide, c'est la couleur. Toutes les plages de couleurs sont connectées entre elles malgré le fait que parfois, elles se situent sur différents plans de l'image. Au premier plan, nous avons à gauche un parasol de couleur bleue, un bleu délavé, pastel, décontrasté, que nous retrouvons sur le transat juste en dessous et qui nous permet naturellement de déjà passer d'un plan à un autre sans que notre œil ne s'en rende compte. Et notre regard peut donc se laisser guider, que ce soit par ce bleu, par ce rose ou par ce jaune, qui nous laisse voyager dans l'intégralité de la photo. Malgré ce mélange de nombreuses couleurs, l'image n'est pas du tout déséquilibrée, au contraire, notamment grâce à l'utilisation du bleu et du jaune, ainsi que du vert et du rose, qui sont des couleurs complémentaires. Il a d'ailleurs aussi joué très fort sur leur désaturation pour les unir. Des photos avec des couleurs irréelles ont parfois un sens documentaire qui ne va pas plus loin que le but de faire des photos pour voir comment le réel rend à travers ce médium, comme le disait Gary Winogrand. Lui a choisi de le démontrer à travers des images documentant les rues de nombreuses villes des États-Unis, tirant son portrait multiculturel lors de la deuxième moitié du XXe siècle.
Parfois même des documents fictionnels, comme par exemple les photos des artistes Albarán Cabrera. Répondre à ce besoin du spectateur de trouver une réponse dans certaines photos qui peuvent servir de documents, notamment avec leur travail présenté dans le livre Des oiseaux, avec des nuances chromatiques qui permettent de s'immerger dans la photo grâce aux couleurs et bercent le spectateur dans la dimension onirique de celle-ci. Tout se déroule donc dans notre imaginaire. Nous espérons y trouver des émotions, des questions parfois plus fondamentales et donc aussi des réponses pour avoir la sensation de mieux comprendre ce qui nous entoure, espérer avoir le contrôle sur tout ce qui nous échappe. Il y a parfois aussi un espace pour regarder une photo, juste pour l'esthétique, sans se sentir obligé de lui donner nécessairement un sens. Ce plaisir insouciant, ce besoin paisible de pouvoir regarder une photo et faire un voyage immobile doivent aussi pouvoir être rendus possibles. C'est ce que j'ai cherché à provoquer avec la photo suivante. Saint-Didier-des-Bals, Belgique 2021. Cette photo a été prise au Brunica GS1 au format 6x7, ce qui explique le format rectangulaire plus serré que le format 4 tiers classique que les appareils numériques peuvent nous offrir. Une photo prise derrière les dunes de la plage de Saint-Didier-des-Bals. C'est une photo prise au 105 mm, équivalent donc au 50 mm dans le format numérique. J'utilise le poteau et son ombre pour former un cadre à l'intérieur de l'image. Deux lignes de force facilement remarquables, une verticale et une horizontale qui traduisent un calme et une stabilité. Une stabilité qui est appuyée par la structure de la grande roue en haut à droite de l'image. D'une certaine façon, elle aussi redirige le regard vers une autre partie de la photo avec cette petite baraque à frites où une cliente attend sa commande. Ici, la profondeur de champ est aussi très longue. J'essaie d'avoir une extrême netteté du premier jusqu'au dernier plan pour n'exclure aucune information de mon cadrage. Les couleurs sont également désaturées comme dans la photo de Joey Greer. Un bleu quelque peu délavé dans la partie haute s'oppose à un jaune très ocre dans la partie basse de la photo. Deux couleurs complémentaires se confrontent, mais s'entraident aussi en vue de préserver malgré tout un certain équilibre dans les couleurs. Chapitre 4. Conclusion. Mon mode d'expression est l'image. Son langage est universel. Malgré les différences culturelles, il est toujours possible de transmettre quelque chose au travers des images. Mes photos sont le résultat d'une mise en scène intuitive. Quand je veux faire une photo, je sens la relation entre les couleurs et le cadrage qui rendront mon image équilibrée. La photographie argentique m'a donné ce besoin d'améliorer ma vision photographique. La fragilité, la rareté de chaque image que je pouvais prendre m'a rendu bien plus impliqué dans ma démarche. Je me sens très proche de cette phrase de Joe Greer qui dit « Si tu casses cette routine et que tu t'aventures dans un espace qui ne t'est pas familier, qui t'est inconnu, pour les approcher de manière photographique, de très belles choses t'arriveront. »